Bonjour et bienvenue, on continue notre aventure. J'ai envie de dire Call of Duty dans The Long Dark, car on n'arrête pas de tirer à tout bout de champ. En tout cas, bienvenue. On a une super tempête, ça me fait déjà mal aux oreilles, ça commence bien. Une table, ok. Alors, la dernière fois on avait fait pas mal de choses. La dernière fois on a failli crever. Trois fois. On est tombé dans l'eau gelée. On était face à un ours sans protection, honnêtement. Il y avait rien qui pouvait nous protéger de l'ours. On est tombé sur deux, trois loups. Enfin, ça va, quoi. Ça va. Niveau combat, je crois qu'on a atteint notre quota. Pour la saison entière, honnêtement. On n'a pas plus besoin d'en faire un peu plus, parce que là, on va en crever au bout d'un moment. Mais ça s'est bien passé. Donc on a récupéré une peau de cerf, on a une peau de loup, on a une peau d'ours noir, ça c'est le plus important honnêtement. On a récupéré quelques bâtons pour faire des flèches et des arcs. Après on a eu... ça on s'en fout complètement honnêtement. Livre pour le dépeçage, c'est pas important. On est bientôt niveau 5 en plus. Notre fusil maintenant est à 67%, notre revolver 59%. C'est vrai que prendre le fusil quand même est une assez bonne sécurité si on voyage, parce que bon déjà il est en bon état, mais surtout c'est que j'avoue quand même que ça fait un peu plus mal que le revolver, on peut le sentir. À des moments on a tiré sur le corps en fait du loup et le loup est mort, hein, alors que pour le revolver il faut au moins 3 balles ou alors une dans la tête. On peut sentir la différence. En tout cas, on est un peu lourd. On avait de la viande que j'ai sûrement laissée à l'extérieur. Donc on va prendre ça et on va essayer de rentrer. Par contre, on a un temps tout pourri. Donc... qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être déchirer les rideaux en espérant que ça passe. Parce que c'est toujours utile en fait de déchirer les rideaux. Et puis voilà, ça nous fait passer un peu le temps vite fait. Peut-être que ça va s'arranger la tempête dehors. Après je crois qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire. Une télévision. On peut la découper. Récupère de la ferraille. Puis voilà, en tout cas dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va déjà rentrer. D'une part, on va rentrer à la maison. On va poser tout notre bordel, parce qu'on a quand même genre des douilles et tout ça, ça sert à rien de les garder. Je voudrais récupérer peut-être un peu plus de fuel. On va poser ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Alors, est-ce qu'on va partir? Bon, on a toutes les peaux aussi. Alors, est-ce qu'on va partir maintenant? J'ai honnêtement envie de partir maintenant, moi. Je vais être honnête, j'ai envie de partir maintenant. Donc, pour le site de désolation. Est-ce que c'est... on va dire, est-ce que... on va voir si on peut pas dormir. Non, on peut pas. Est-ce qu'on est bien parti pour? Genre, est-ce qu'on est équipé pour? Voilà, ma réponse c'est ça. Voilà, c'est ça ma réponse. On va dire que ça peut marcher. On devrait pas trop avoir de problème. On va essayer d'esquiver le plus possible tout ce qui est loup et tout ça. Et on va y aller que avec le revolver, je pense. Même s'il est à 59%, donc si jamais on commence à combattre, on risque d'en chier un peu. Bon, par contre, j'ai envie de partir maintenant, mais le problème, c'est qu'on est déjà pas full vie. Et j'ai pas trop envie de geler sur place non plus. Et on est assez loin de... enfin, quoi que, on peut courir. Ça dépend du vent. On va voir. Si jamais le vent est pas trop chiant, genre pas en face de nous, et qu'on arrive à bien courir, peut-être qu'on peut partir maintenant. Ah ouais, non, mais... ouais, non. Non. Vous avez vu comment ça descend. Là, il doit faire moins 40, moins 50. Non. On va pas le faire. On va perdre du temps ici. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Je sais pas. Vous voulez regarder une lampe? On va regarder une lampe. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'en sais strictement rien, en fait.
On pourrait lire, ça nous sert, honnêtement ça nous sert à rien de lire, c'est du temps perdu. Parce qu'on est bientôt au niveau 5 de la carcasse et puis c'est facile, ça va pas vraiment nous apporter grand chose. Les livres qui seraient genre intéressants, ça serait comme d'habitude la cuisine, allumage du feu, la glace, même les armes maintenant, mais c'est vrai que les carcasses non. On pourrait coudre pour passer un peu le temps, mais encore une fois on n'a rien vraiment à coudre d'urgence. Donc encore une fois c'est pas vraiment important, en plus c'est très long. Ouais, bof. Bof, bof, bof. Est-ce qu'on a des trucs à casser? Non, il faut des hachettes. J'ai des choses à casser pour récupérer du bois ou un truc comme ça. Une chaise, il faut la hachette. Table aussi, la lampe ça sert un peu à rien. J'essaie, il fait un peu sombre mais à des endroits, mais ça devrait... C'est pour ça que j'ai allumé la lumière, ça devrait pas être trop chiant à voir, à regarder. Ah, on peut déchirer ça? Non, on peut pas, le rideau de la baignoire. Ça. Ah bah c'est con, mais on a vraiment rien à faire en fait. Oh. Ça. On est monté à 39 kilos. Tout ça à cause de ça, du tissu. Oh la vache. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est tac, tac, tac. Bah, je suis désolé, mais là, j'ai pas grand chose à faire en fait. Et en plus ça part pas, ça s'arrête pas. On va juste coudre pour faire passer le temps. Après c'est vrai que je préférerais qu'on coudre à la maison en fait. Pas ici parce que ça fait un peu le fait d'allumer la lumière et tout ça. Ouais bon, on va faire ça. Eh ben. Ah oui, là c'est assez violent quand même. C'est assez violent, ça dure longtemps. Après on peut toujours se faire violence hein, et partir, mais honnêtement j'ai pas envie. Une heure. Faut qu'on mange. Non, même pas, pas vraiment en fait. Ah, merci mon dieu. Merci mon Kojima. Ah, très bien. Allez, on y va, on y va, on y va. Ah, il y a des rideaux encore là. J'avais pas fait attention. On y va. Il va faire encore très froid parce que ça vient sûrement juste de s'arrêter. Ça va être... Enfin, ouais, c'est pas grave quoi. Allez, on y va, on rentre. On rentre. Faire attention à la descente ici, elle est pas fun. Se baisser, voilà, très bien. Là, on a une cabane de poissons là-bas. Je pense qu'il n'y a rien en vue. On devrait être bon. Est-ce que c'est ça là avec la carcasse? Je crois qu'il y a la carcasse. Hein. Carcasse de loup. Je dirais que c'est ça là, ouais. Oh mon dieu, je déteste la neige comme ça. Je pense qu'il n'y a rien. De toute façon, on a tué tellement de bestioles que, honnêtement, je serais étonné qu'il reste quelque chose, quoi. Pas de plume. Non. Ok, donc si la cabane est là, on fait comme ça et on devrait arriver vers chez nous.
Ce que vous pouvez faire, c'est vous repérer en fait avec la... Comment dire? Le positionnement en fait de la cabane. Donc c'est, je sais que c'est à peu près par là. Il y a un loup à droite. Deux loups à droite. Ouais, c'est là, c'est là, c'est là. Je vois le ponton, voilà. On voit la maison, la neige qui commence à s'arrêter. Ah, eux, ils nous ont flairé, eux, hein. Ils nous ont bien flairé, hein. Vous voyez, ils étaient en train de trottiner dans notre direction, mais ça va. Ils n'étaient pas assez avancés. On va aller directement dans la première maison pour se réchauffer. Avant de retourner chez nous, on a un loup qui arrive sur nous, à droite. Ok, cool. On a deux loups qui arrivent à droite. Ah non, c'est une boîte aux lettres. Go 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 go. Une boîte aux lettres, un loup, c'est la même chose honnêtement. Les deux font peur, hein. Si vous imaginez des mauvaises lettres, des mauvaises nouvelles, c'est honnêtement, hein, c'est la même chose. Lumière? Non, il faut un bouton, ça marche. Ouais. Ah! Ah, pas bon signe, pas bon signe. Aïe, 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 pas bon signe. Aïe, 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 aïe. On a beaucoup de viande sur nous, ça c'est un problème. Aïe, 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 aïe. Il y a une aurore boréale qui va arriver. On a ces deux là qu'on pourrait cuire. J'ai envie de dire... Ouais, 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 là on a une belle aurore boréale. J'ai envie de dire que ça, il faudrait les cuire avant de partir. Avant de partir. Je pense. Elle est toujours là, l'aurore boréale? Ouais, elle est toujours. Évidemment. Donc là, on pue la barbaque et on est en aurore boréale. Ça va, c'est bien. Alors du coup, bah on part ou pas? Bah j'ai pas vraiment envie maintenant. J'ai plus vraiment envie. Ah, je sais pas, on va voir. Il faudrait vraiment cuire par contre les deux morceaux de viande si on veut partir. On va poser des choses. Alors attendez. Alors, on a... Pam pam pam. Attendez, je vois strictement rien, on va faire ça. Ça. Ok. Maintenant. Est-ce qu'on a des bois déjà qu'on a jetés? Je vois, ah oui, là. On va les mettre là pareil. Alors, 4. On bouge un peu. 2. Ah, très bien. Après, on a le... ouais, tissu c'est là, très bien. 5 ou 10? 10 si on part. 10 si on part, là on met les plumes. Avec notre petite musique, les plumes, les douilles. le charbon. Ah, on n'a pas dessiné. Ah, intéressant, intéressant. On va mettre la pierre aussi. Je sais pas pourquoi j'ai une pierre. Attendez.
J'ai pas envie d'attirer les bestioles pendant que je... Ah, quoi que non. On va se mettre devant parce que je... De mon expérience, on est pas mal protégé en fait par les pompes en fait. Les pompes à essence. Les animaux ont du mal en fait à les passer. Donc c'est pas mal. Ouais, ça, les deux pompes là. Ça. Tu fais froid. Hein. Ok, très bon. Vous avez vu, on a vu une sorte d'éclair. Non? J'ai cru voir une sorte d'éclair vert au loin. Ça serait bien qu'il y ait des orages comme ça, genre électromagnétiques ou un truc comme ça. Ouh, ce serait une bonne idée ça. Ouh, notez ça Interland. Orage électromagnétique. Quand il y a des aurores boréales. Alors, ça. Alors ça, c'est vide. Ça, on va le poser. Ou alors on remplit une petite bouteille. Peut-être qu'on remplit une petite bouteille et on prend la bouteille. Ou alors on prend un jerrycan et on n'en met pas beaucoup dedans en fait. Je sais pas. Là on a combien? On a 3,22. Là on a 2,26. Ah c'est compliqué hein, c'est compliqué hein. Alors attendez. Voilà, 4 litres. 4 litres de fuel, ça c'est bien. Ça fait du bruit par contre. 4 litres de fuel. Là on a 0. Après on a les deux petits, on a 0 aussi. Là on a 2 litres. Le mieux ça serait de prendre le jerrycan si jamais on trouve une lampe, genre on la siphonne et tout ça. Si jamais on trouve des petits, on met dedans et tout ça. Le mieux ça serait ça. Ça serait de faire ça honnêtement. Donc je pense qu'on va se trimballer le jerrycan. Je dirais. Par contre, on va juste en mettre un tout petit peu. Hop. 73. Genre 1 litre. Genre 1 litre, voilà. Voilà, ça fait même pas 1 kilo. Alors on va poser celui-là. Voilà, du coup, ça nous laisse une marge de 3 litres qu'on peut récupérer, en fait, en dehors de... Bah, d'ici, en fait, genre à l'extérieur et tout ça. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Ça pèse pas très lourd. Après, on a aussi la lampe qui est pleine. Ça. Ça, on en a pas besoin. On a aussi le livre. On en a pas besoin. Très bien. Le fusil, comme j'ai dit, on va le laisser. Attendez. Comment... Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est... je me rappelle plus des touches. Je me rappelle plus du tout des touches. C'est pas grave, on fera ça après. je voulais le faire pivoter en fait, je me rappelle plus des touches. C'est pas grave. On a 19 balles. 19 balles, je pense que c'est suffisant, honnêtement. De toute façon, si au bout d'un moment, si on en tire 19, c'est qu'on a vraiment des problèmes. En fait, faut le traduire comme ça, le fait d'avoir plein de balles. Comme ça. C'est que si jamais on est là à tirer genre une trentaine de balles, c'est qu'on a quand même un problème et c'est qu'on cherche les emmerdes en fait. Je pense. On va faire un feu. Je crois que, ouais, quand on tire 30 balles dans The Long Dark comme ça, c'est qu'on cherche vraiment la merde. Faire du feu. Ah, j'aurais dû peut-être dormir avant. Dormir avant pour qu'on soit, genre, bien reposé. Et après, on fait à manger et on fait un thé. Et on le réchauffe. Ouais, maintenant on a utilisé... maintenant on a utilisé la comment ça s'appelle ? L'allumette. On a utilisé l'allumette. On va pas la gâcher. On va pas éteindre la torche.
Come on, little fire. Come on. Allez. Allez. De toute façon, après, elle se fatigue pas trop, donc c'est pas trop grave ce qu'on a fait. On va pas prendre de charbon, rien, parce que le charbon va... bah, est lourd, déjà. Et surtout, c'est que... On va passer par une mine. Donc on va sûrement en trouver. Alors attendez, parce que je vois plus rien du tout. Voilà. Alors, cuir... J'aime pas ce menu. Voilà, très bien. 35 minutes, 45 minutes, très bien. On va mettre... On a du raïchi. On n'a pas de... On a 3 à crafter. Okay. Oh, ça m'embête quand même. Ça, on va essayer de le garder. Ça permet de remettre de la vie. Ça, on va essayer de le garder le plus possible. J'ai envie de dire, on va peut-être même en poser 2 là. Ça réchauffe là? Ah oui, ça réchauffe. Combien? 30, 25 minutes. Alors, fais voir. 30 minutes. Trois minutes. Alors pour l'eau, qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'eau, on va faire ça. J'aurais pas dû tout boire. Ah, j'ai été con encore. Très bien. Pas du tout. Attendez, je suis légèrement en stress. Donc, hein, doucement, doucement, avec les informations là qui sortent. Okay. Ça, ça c'est vide, ça c'est vide. On va reprendre les bouteilles là qui étaient là. Celle-là. Ok, celle-là elle est presque pleine. On va faire comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... on va la jeter pour le moment. Ouais, très bien. Voilà, on va partir avec notre gourde à 3 litres. Et la bouteille en métal de 75, 0,75. Donc ça, c'est très bien. Ça, on est bon. Ça, on le mange. Ça on le mange. Ok. J'ai envie de... Fondre et cuire. 13 minutes, 13, 12, 18 minutes. Ça va plus vite comme ça quand même. Voilà, on va en faire 2 de plus parce que j'en ai pas beaucoup en fait de réserve. Parce que je veux pas, si on est à l'extérieur par exemple, je veux pas qu'on perde du temps à en faire en fait. Je veux juste les réchauffer très vite, comme ça on se réchauffe et puis après on continue. Mais ouais, on va partir. Ce qu'on pourrait faire, c'est dormir 1 heure avant de partir. Mais du coup, il faudrait faire tenir le feu pendant 1 heure. Est-ce que c'est de la perte ou pas? Je sais pas. Pour que ça soit encore chaud, en fait. Je sais pas trop. Ah, on peut le faire. On peut le faire, à la limite. On va se débrouiller. Mais je pense qu'on est bon pour partir. Là on est un peu lourd, c'est parce qu'on a 3 morceaux de viande sur nous, mais on va pas en garder 3, on va en jeter. On va en déposer un au moins, on a 8 fagotins, on a 11 allumettes. Après on a notre lampe toujours pour faire du feu si jamais on a besoin. Thé, très bien.
combien, 50 minutes. Ok, go. C'est parti. Je sais pas si l'eau va pas être évaporée. Hein. C'est pas vraiment le but, c'est juste, c'est pas grave si c'est évaporé. On va prendre ça. Ouais, ça s'est évaporé. Ça non. On ramasse, on ramasse. Là, on a les 3 qui sont prêts. On a encore 11 minutes de feu. On est en pleine forme. Très bien. L'eau. Donc ça, ça a été rempli. Non, celle-là a été remplie. Pardon. 75, c'est celle-là qu'on garde. Ok, on est bien. Là, on va allumer une torche. Quoique non, si on est en aurore boréale, on allume une torche ou pas? Ouais, ça nous réchauffera. Allez, on y va. C'est parti pour l'aventure. Je pense rien avoir oublié. C'est parti. On laisse un morceau de viande ou pas au final? Je sais pas. Alors, on va... Voilà, on va poser un steak. Pour pas avoir l'odeur sur nous. Et on est parti. Et on est parti. Ah, oui, on sait que sur le côté droit, il y avait des loups. Merci. Oh là 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 là. Ah, la niche de chien. Ah, il est là, je le vois. Ok, on va continuer d'avancer. On va l'ignorer pour le moment. On va l'ignorer. Ah, il s'est arrêté. On va avancer un peu plus vite. Ok, je pense qu'on l'a plus ou moins semé. Ok. Faut se rappeler que dans les aurores boréales, les torches en fait ne vous protègent pas. Oh merde, il y en a un juste là. Il y en a deux juste là. Est-ce que je peux passer, genre sprinter? Genre, regarde-moi ça, il bouge même pas les trucs. Il reste statique. C'est en train d'aboyer. Ils deviennent complètement... Ok. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Notre torche est un peu basse. Je sais pas si ça vaut le coup de la changer. Si je sprint... Le truc c'est que ça sert un peu à rien de sprinter en ligne droite, donc j'attends... On va voir la montée là, la petite montée, on va essayer de sprinter. Et du coup il va peut-être perdre un peu de temps, on va pouvoir changer de torche. On va passer par la neige. On va passer par la neige, on va faire ça. Ok, go. Ok, très bon, très bon, très bon. Go, 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 go. On est bon, on est bon. Putain, ouh, la torche s'est juste éteinte au moment où on avait fini, quoi. Ah, petite parenthèse encore au mode. Hein. Ah, ça, il s'est arrêté. Je sais pas pourquoi il s'arrête. Ouais, je sais pas trop pourquoi. Ils pètent un câble, ils ont peur à des moments. Enfin bref. Ils sont à moitié fous de toute façon pour les aurores boréales. Une chose c'est que dans le menu radial, le menu rapide, on va prendre la torche la plus basse en pourcentage. Ça c'est vraiment bien de la part du mod. Ça évite d'aller dans le menu. Bon, après j'ai encore l'habitude d'aller dans le menu tout le temps, mais
Mais c'est vrai qu'on peut faire ça maintenant. Là on avait de la viande, on a encore des plumes. J'ai envie de dire ça sert un peu à rien de les récupérer parce qu'on va les. On va repasser par là mais. On va prendre ça. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de trouver un endroit tranquille pour la prochaine zone. À peut-être faire un feu pour faire chauffer un thé. Je suis pas encore totalement sûr, on va voir. Alors j'aime pas du tout cette zone, il y a trois zones en fait qu'on va passer. Il y a cette zone là, après il y a la mine, et après on sera à l'endroit où on veut en fait. Et cette zone là, elle est petite, mais elle est très étroite aussi. Et c'est le gros problème, et il y a des bestioles, il y a des loups. Il y a des loups. Et là on est en aurore boréale, donc ils ont pas peur du feu. Donc il faudrait sortir notre torche, notre lampe torche pardon. Ok. Et ou alors une balle. Une balle ça résout pas mal de problèmes aussi. On a perdu notre réchauffement. J'ai pas vu. Et là on a un cerf. Je l'ai pas vu. Il est là, ok. Alors normalement il y a une cave. Enfin un sous-sol. Oh je crois que c'est là. Ok. Sous-sol, parfait. Alors on a une torche, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la garde allumée ou pas? Est-ce qu'on la garde allumée ou pas? On va voir. Ça, on prend. Alors, on peut dormir ici. Si on veut. Elle est comment la torche? Elle va peut-être s'éteindre. Qu'est-ce qu'on fait? 5%. Allez, on va la garder. Après les torches, maintenant c'est un peu plus simple pour les utiliser. Pour les crafter, pardon. Celle à 100%, donc à la limite on va essayer de la faire durer. On peut pas faire de feu en intérieur, ça serait pas mal en fait, mais bon on peut pas. Oh, pardon. Pour que je puisse faire cuire un thé en fait. Bon, du coup on n'a pas grand chose. Du coup, on n'a pas grand chose. 65%. Ouais, non, ça sert un peu à rien ce qu'on a. Oh, on peut découper le réservoir d'eau. Là, on se réchauffe. On se réchauffe pas mal en fait. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien faire du thé. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer à la... on va attendre genre une minute ou deux. On va tracer... Non, 15 minutes, ça va faire trop. Enfin, je crois que ça passe peut-être. À la limite, on devrait en fait éteindre la torche, tout simplement. Voilà, on va éteindre la torche. Voilà. On réchauffe moins vite, mais on se réchauffe quand même. On va faire ça. Ouais, on va sortir et on va tracer vers la mine. On va tracer vers la mine, c'est le plus safe en fait, j'ai envie de dire. C'est le plus facile, le plus safe. On va pas combattre les loups en aurore boréale. Ouais, très bien. On a un peu froid, mais c'est pas... Enfin, c'est pas grave. Si, c'est grave, mais on peut pas faire autrement de toute façon. Voilà, pas full, pas full. Ok, on est bon. On peut peut-être sortir un peu la lampe pour faire... Pour qu'on s'amuse un peu à l'extérieur. Mais on va esquiver les loups, on va esquiver les loups. On va complètement esquiver les loups.
Il y a la voiture. Je me suis accroupi au cas où. Ah, elle se relève automatiquement. Ah, ça c'est un backer, on s'en fout. On va pas lire. Ok, go. Elle se relève automatiquement quand elle sort de la voiture. Ah, on aurait pu se mettre là et faire un feu. Ouais, il fait froid quand même. Toutes ces maisons brûlées. Hein. Donc on va passer par-dessus. Comme ça on a un peu un avantage. Ok, ça a l'air d'être bon. Go, 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 on avance. On va y arriver, on va y arriver. J'ai cru voir un livre, non? Non, c'était sûrement le reflet, en fait. C'était pas simple. Hein. C'était pas simple. Ah bon, on va faire une mine avec la lampe torche. On a du fuel et tout ça, donc on peut le faire avec ça aussi, mais j'ai envie de le faire un peu avec la lampe torche. De toute façon, elle va bientôt mourir. Elle a presque plus de batterie. Mais ça va être marrant. On a le sac. Ah, le sac j'ai déjà fait, pardon. Ah, c'est pas la même ambiance en direct, hein, vu que ça éclaire pas sur les côtés et tout ça, genre autour de nous ça éclaire pas. J'aime bien, moi, j'aime bien. Alors, charbon. Alors, si je me rappelle bien, c'est une des grosses mines, je crois, avec genre plusieurs chemins, je crois. On est à 33, ça va. Ah! Oh mon dieu. Oh. Vous imaginez, vous êtes bloqué là-dedans, comme ça, en plein milieu? Vous avez plus de lumière? Vous imaginez le truc? Du coup, attendez, parce que j'ai tourné un peu à droite, à gauche. Ok, là, c'est le... Ok, c'est de là d'où on vient, ça marche. On prend un peu de charbon. Ah, je pense que tout le charbon que je prends là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à la sortie de la mine. On va le mettre à la sortie de la mine. Tous les objets en fait en surplus comme ça, on les met tous à la sortie de la mine. Et quand on fera le chemin retour, on les prendra. Enfin, on les prendra. On les prendra si jamais on a la place et si jamais on en a besoin.
Je pense que c'est une bonne idée. Mais là au moins on les récupère, vous voyez, on les met tout, on les rassemble, on les rassemble. Il y en a beaucoup en plus, hein. Crowbar. Sympa, merci. Ah là, sans lumière, honnêtement, c'est la mort. Hein. C'est la mort assurée. Hein. Impossible. En plus que... Le truc, c'est que même si vous trouvez le chemin, la direction du chemin, des fois, il faut se baisser, des fois... Enfin, voilà, des fois, il faut bifurquer, tout ça. Mais c'est la mort. Hein. Faut à tout prix pouvoir faire une torche ou... Après, vous pouvez utiliser les allumettes aussi. On a beaucoup de charbon, mon dieu. J'en ai jamais vu autant dans une mine. Vous pouvez utiliser les allumettes et vous éclairer à l'allumette. Mais elle dure pas longtemps. Hein. Ça dure une dizaine de secondes peut-être. Là-bas. Non mais attends. Enfin, on a 43 kilos là. On doit avoir au moins 20 kilos de charbon. Peut-être un peu trop, non? Non, 10 kilos. Pardon, j'ai exagéré. Pardon, pardon. Là, ça va en mieux. Bon, déjà, on n'a plus l'aurore boréale, c'est déjà bien. Donc là, notre but, ça va être... J'ai envie de dire, on va aller à la... Au phare, où... Il n'y a pas une église détruite dans cet endroit aussi? Je crois. Je me rappelle plus. Mais je crois qu'on va aller au phare et on va camper là-bas pour le moment. Alors attendez. Ça, on n'en a pas besoin vraiment pour le moment. Donc là, on va tout jeter. On va en garder 3. On est à 33 kilos. On a encore... Il y a encore pas mal de choses. Très bien. Voilà, 32. Avec la lampe, ça va faire dans les 33, 34. On a ça, on en a 3. On a 3 trucs. La cuisine. Un livre pour la cuisine, on va l'enlever. Et merde. Un livre pour la cuisine, on va pas le prendre maintenant parce que on va pas essayer, on va pas rester en fait très longtemps ici. On va faire beaucoup d'exploration. Ça aussi on va le mettre là, pardon. Ça. Je pense qu'on est bon. Ouais, je pense qu'on est bon. Ouais, c'est pas mal, let's go. Donc le phare, ça serait mieux, ça serait le meilleur. C'est vrai qu'il y a la là, si on, jamais on peut mettre une corde aussi, il y a pas mal d'objets intéressants de ce côté-là. Oh, doucement. J'ai loupé le bâton. Je crois qu'elle est là-haut. Là-bas, ouais, on a une voiture. Après, on va monter. On a froid. Ouais, ça va. On a froid quand même. Je sais plus. Je sais plus s'il y a vraiment une église brûlée. Je commence à confondre les zones, en fait. Au fur et à mesure de les faire. Bien. De toute façon, c'est pas perdu. On récupère des trucs.
Je garde la lampe allumée, mais ça sert à rien, ça réchauffe pas. C'est ça, non? C'est bien ça. Prends-le. Merci les lapins. Oh, fusée nautique. On pourrait faire du feu ici, mais je crois qu'on va directement tracer pour le phare. Oh. La couture, ça c'est bien ça. Okay, on va peut-être pas trop rester longtemps. Allez, dépêche, dépêche, dépêche. On y va, on y va, on y va, on y va. Et si on a une carcasse de lapin sur nous. Évidemment, évidemment. Ça porte bonheur. On verra la voiture plus tard. Oh mon dieu, regardez-moi tout ça. Vous avez vu ? Ces empreintes de pas, il y en a au moins deux dans les parages, deux, trois peut-être. Ah là, on devrait être safe là, c'est bon. On devrait être safe. Je sais pas s'il peut passer le pont. Ils ont peut-être peur du vide, je sais pas. Je crois qu'il est en dessous en fait. Là-bas il y a des baies à prendre. Et on y est. On peut souffler un peu. Donc on a récupéré une fusée nautique. Donc fusées nautiques sont plus brillantes et bruyantes et peuvent même repousser les loups gris. Les loups gris qu'on verra un moment. Ok, ça va être notre petit camp pour le moment. On a récupéré un lapin, ce qui est bien, ça nous fait un peu de viande. On a vu qu'il y avait d'autres lapins vers l'église. Donc on pourrait peut-être aller en chasser pour récupérer un peu de viande si jamais on a besoin de viande. Mais normalement on va pas rester trop longtemps. Donc ça en gros c'est on vient, on récupère ce qu'il y a et on se casse. Voilà, c'est vraiment juste pour ça en fait. C'est notre but. Donc on devrait être bon. C'est aussi un backer. Ouh, ça c'est bien ça. Ça a pas de valeur ça. Enfin, ça a pas de valeur. Ça a toutes les valeurs du monde. Si jamais on est dans la merde, on se pique directement au cœur. Et puis après on meurt.
Ouh, des balles. Faut que je recharge mon revolver aussi. Ça va, on a trouvé quelques trucs là, c'est pas mal. Déjà, ça va, déjà ça se passe bien. On a récupéré des balles, on a récupéré des champignons, des baies. Des... Ouais non, ça va, c'est cool. C'est déjà pas mal, c'est déjà vraiment pas mal, honnêtement. On va aller là. Ah, je pense pas qu'il y ait grand chose à chaque fois sur le dessus du phare, mais bon. C'est un bon endroit pour voir, pour regarder. Non, y a rien. Donc nous on vient de là. Ouais, nous on vient de là-bas. Attendez, on va peut-être éteindre, ça éblouit un peu. On vient de là-bas, là on voit l'église. Là il y a des saloperies. Et nous on veut aller là-bas au bateau ici. Celui-là. Après ici on peut se balader aussi, mais je crois pas qu'il y ait grand chose. Je crois même pas qu'il y ait des champignons, des trucs comme ça. Là il y a un pont, il y a peut-être des voitures par là-bas. Et après là il y a genre dans cette direction là il y a plein de bâtiments. Enfin c'est quoi, c'est des réserves je crois de poissons ou un truc comme ça. Donc là on va y aller et on va fouiller, il y aura plein de trucs à trouver. Enfin en tout cas j'espère. Mais ouais, zone assez importante de cet endroit là. Donc ouais, non il y a pas mal à chercher quand même. C'est vrai qu'au final ça fait beaucoup de choses. Donc on va peut-être avoir besoin de nourriture. On verra, on verra, on verra. Ouais, on va éteindre, c'est pas grave. On a le lit là. Alors, avant de dormir, donc on va faire ça, recycler. Il nous faut un peu de... Est-ce qu'il nous faut des fagotins ou pas? Enfin, je sais que j'ai récupéré des journaux. Fagotin. Ah, très bien. Ok, très bien. 12 fagotins, ça, ça, ça. Ok, pour le feu, on est bingo. On est bon, on est bon. On en a deux de piqûres, c'est bien aussi. Oh, on a du beef jerky à 96%, c'est pas mal. On a ça, on va le faire à la main. Ouais, très bien. J'ai envie de dire qu'on va tout garder, c'est pas très lourd. Ah ouais, non, c'est vrai que les boyaux sont un problème. Attendez, est-ce qu'on voit un peu? On va allumer. Les boyaux. Et c'est vrai que les boyaux et la viande crue en fait sont un problème. Alors on va mettre la peau aussi. Non, 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 toujours pas. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a les fusées, on a une peinture en plus, on a récupéré ça. Donc combustible pour lampe à 0,32 à l'intérieur. On va mettre tout ça dans le jerrycan. Voilà, très bien. Ça à la limite, si c'est trop lourd, on le jette. Si on a besoin de place. On a deux pieds de biche. On est un peu lourd, hein, j'ai envie de dire. On est quand même assez lourd. Bon, attendez, on va descendre. On va jeter les choses qu'on n'utilise pas. Et le phare va vraiment être notre camp, en fait. Ça... Oh, on a un meilleur bonnet, je crois. Ouais, on a un meilleur bonnet. Le bonnet en laine est mieux. Le problème, c'est que bon, il est de mauvaise qualité, mais le bonnet en laine est mieux. Voilà. Ouais, on va faire ça. Voilà, déjà, c'est un peu mieux. On va enlever ça. Le livre, on va la couture facile, on va le garder, je pense.
Ça, on va le mettre ici. Faut qu'on recharge. Ok, très bien. Ça, on va le mettre là pour le moment aussi. Voilà, on est à 33 kg, c'est un peu mieux. La fusée nautique, j'ai envie même de la mettre par terre aussi. Ça, on va le mettre par terre, on n'a pas besoin non plus. Et après, c'est que du bois en fait. C'est que du bois qui est lourd. Voilà, c'est un peu mieux. Ouais, c'est bon, on va dormir. Voilà, ce sera notre épisode. Ce sera notre épisode de la survie du week-end. Je pense que ça s'est bien passé. En général, ça s'est bien passé, notre excursion jusqu'ici. Ça s'est plutôt bien passé. On a récupéré pas mal de trucs sympathiques. On va manger la viande d'abord. C'est la plus lourde, en fait. Ah, très bien, on va boire ça. Voilà, parfait. On est à 32 kg. Et là, on a encore 300... On a encore 650 de calories, plus, bon, on a aussi les, comment ça s'appelle, les massettes, on a les thés, on a du feu, on peut faire du feu, on a la viande de lapin. Ouais, je pense qu'on est bien. Donc la prochaine fois, comme je vous ai montré, je peux pas vraiment montrer la carte, mais comme je vous ai montré, ce qu'on va faire, c'est que on va se déplacer vers le bateau en premier. Je pense qu'on va faire le bateau en premier. Je me rappelle plus du nom du bateau. Bateau échoué. Oh, attendez, j'ai oublié un truc. Ça, on va le jeter aussi. Faudrait réparer ça, honnêtement. On peut réparer... Non, il fait nuit. Oh, c'est pas grave. Mais on va aller d'abord au bateau. Et après, on ira dans les grands bâtiments de réserve de poissons et tout ça. Et honnêtement, c'est cool. Honnêtement, on est bon. On est bien, là. On est bien. On est plutôt cool, je suis content, ça s'est bien passé, notre excursion. Voilà, on a mangé, on a bu, on va dormir. Mettre ça sur le lit. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien, faites attention à vous, sortez masqués et à la prochaine. Ciao, ciao.